Bien, salut les amis, vendredi, c'est le jour de la série. Le Valaisan dans le passé, je vais arriver, c'est la fin de la semaine, un peu fatigué. Voilà, salut Poupoule, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas pas me piquer les pieds, toi? Hein? Merci pour les commentaires que j'ai pas encore, que je répondrai, ça vous inquiétez pas, le Valaisan, il répond toujours à ça. Aujourd'hui, ben, on va faire la suite, comme je l'ai dit, de hier dans l'épisode de jeudi. On va les mettre, j'ai acheté un petit bidon de brisure là pour faire cailler le lait qu'on a mis pour la fabrique de fromage. On va aller justement enlever peut-être le Fiat parce que autrement je vais pas arriver à rentrer. On va faire ce qu'on va faire, on va mettre un big bag ici dedans pour préparer le fertilisant que j'en ai pas besoin pour le moment hein, mais de toute façon, il me faudra bien un épandeur au début. Il faudra que je l'achète aussi. Hop, on va remettre le Fiat ici. On va sauter directement. Je vais peut-être ouvrir la porte déjà, comme ça c'est fait. Vous voyez, comme ça, je vous montre ça. En tout cas, cette série vous plaît toujours. On va mettre un big bag ici. Vous voyez qu'il faut mettre de l'eau et du nitrame. Or l'eau, ben, on a la cuve juste à côté, on mettra après. Mais pour l'instant, on va aller chercher ça. Et avant de venir mettre le big bag ici, on ira mettre justement ce petit bidon pour le fromage. Comme ça commencera à fabriquer. J'espère en tout cas que vous allez bien. En tout cas, merci à tous ces pouces bleus. Les deux séries de la semaine. Alors comme je l'ai dit, fin de semaine, on est vendredi. Je ne suis pas là, hein, vu que j'ai tourné en avance ces épisodes. On va se mettre peut-être en vue intérieure, on verra mieux. Automatiquement, la semaine prochaine, on revient à la normale avec l'épisode de Terre Valaisanne le lundi, le mercredi et vendredi, un épisode de la série, ben, quand on est là, sur Valaisan dans le passé. Voilà. Donc, on va faire ça. Comme j'ai dit dans l'épisode de hier, oups, c'est bon, hop, hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait comme ça. Je vais juste couper le moteur et puis on va juste aller mettre le bidon pour le fromage. Je suis concentré. Il faut que je rechange, hein, j'ai oublié de changer comment ça, la commande pour tourner les fourches en bas ou en haut. Ça, c'est clair que c'est un peu dommage hein, que bah, maintenant c'est bien dans le 19. Automatiquement, on n'est pas besoin obligé de sortir du jeu pour changer quelque chose dans les commandes. C'est ça qui est bien. Je vais juste poser le bidon là pour pouvoir ouvrir la porte. On a toujours l'impression qu'on va la ramasser dans la poire. Et donc, on ira acheter le semoir. Et par la suite, pour la fin de la vidéo, on ira juste. Voilà, normalement c'est bon. Hein. Ça va commencer à fabriquer. On a mis ça. Je sais que ça consomme pas énormément. On verra par la suite. On va laisser faire ça gentiment, tranquillou, gentiment. puis, à la fin de la vidéo, comme je disais, on va aller. Finir de passer, j'ai fait déjà un champ d'herbe, de passer la herse. Voilà. Donc, allez, on va aller mettre ce big bag là, tranquillou. Prochain, je vous avais dit hier qu'on irait peut-être aller chercher des big bags, tout ça. On fera ça dans un prochain. On va mettre gentiment en route certaines fabrications, celles que je peux, hein, parce que peut-être qu'on regardera. Je vais regarder de mon côté. Pour limite mettre une fabrication soit de farine ou je sais pas quoi, il faut que je regarde, hein, j'ai pas tout regardé les fabrications qu'il y avait. Donc voilà, on va se concentrer là pour poser comme il faut. Alors c'est comme ça, voilà. Hop. Hop. Normalement, peut-être qu'il faut peut-être le mettre un petit peu plus en arrière. Hop. Hop, ah bah je l'ai pris. Oh, je suis concentré. oui, hop. Il faut peut-être faire ça. Hop. Est-ce que j'arrive? Et puis, est-ce que tu vas tenir? Oui, on va peut-être le repousser un petit peu plus sur le truc que j'arrive pas. C'est un peu serré quand même ici. Alors, on va aller voir si c'est tout bon. Est-ce que j'arrive à sortir? Je suis pas coincé? Non, ça va.
On est bon. Vous voyez qu'il l'a pris. Il n'y a pas besoin que qu'il soit vraiment pile poil dessus. Nous, on va reculer. Ouais, il faut vraiment que je change cette commande parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Quoique, non. Sur mon joystick du panel de farming, il faut que j'appuie sur un bouton pour vraiment. Avant, sur le 19, je le fais automatiquement. On va descendre ça. Voilà, on va couper le moteur. On va aller lui mettre de l'eau pour que ça fasse. Et puis, comme ça, ça sera déjà prêt. Donc, c'est la troisième fabrique, note bien, qui est à la ferme, si on peut appeler ça de fabrique. Si je me mets dans ce sens, ça ira mieux. On va prendre de l'eau, mettre de l'eau. Tranquillou. On ira voir aussi un peu les vaches. Parce que sur les prés, à la limite, si j'ai du lisier, je vais investir dans un épandeur à lisier. Comme ça changera un peu de la herse aussi. Parce qu'il faudra de l'herbe, beaucoup d'herbe. Parce qu'une partie, on pourra mettre. Alors, est-ce que je peux vider là? Bon, on monte là-bas. Voilà. Donc là, ça met l'eau tranquillou. Hop, est-ce que. Ouais, je suis pas gros. Donc, ah ouais, c'est bien fait. Hein. Ça manque hein, sur le 19. Hein, je le répète, mais c'est vrai que regardez-moi ça c'est joli. En plus, j'ai mis le système hausse système là, des tuyaux pour le lisier. Tout ça va être génial. Hein. Là, ça monte. Il va mettre 8000 tranquillou. Et on aura 8000 de fertilisant. Par contre, je ne sais pas. Alors normalement, les semences que j'ai fait, normalement, doivent avoir déjà le fertilisant. Avoir, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Ça, on va remettre tranquillou ici. On va la remplir. C'est toujours bien d'avoir ça toujours prêt. Parce que ça prend des fois du temps pour être rempli. Voilà, on va la remplir. Voilà. On va couper le moteur, pas besoin. Ici, on va pouvoir refermer les portes. On va laisser fabriquer tranquillou qui va bien. Là, il y a le karcher. Ici, oh, de toute façon, on peut passer par là si jamais pour aller voir. Mais c'est bien. Donc, on va aller, je pense, avant d'aller finir, on va aller voir déjà les vaches. Je vais aller voir au niveau du lisier ce qu'il y a. Le fumier, il faudra le fumier, il faudra aller, je crois qu'ici on peut curer le fumier. Alors, si je regarde ici, ici on est, bien sûr de l'herbe, j'en ai pas. Ouais, il y en a pas des tonnes. Hein. Vous voyez le fumier, il y en a 1298, on va dire en français, pour tous mes abonnés français. Il y en a 1500, ouais, presque 1500. Alors, est-ce que normalement, je me rappelle que dans Black Sheep, ça faisait un monstre tas de fumier en pyramide, mais sur cette map, ça n'a pas l'air. Hein. Parce que c'était moche. Hein. Donc le lisier, il se récupère là-bas. Normalement, ici, je peux monter, vous voyez. C'est bien ça. Le lisier est là. Voilà, il fait beau, il y a du soleil. On va leur laisser ça ouvert pour prendre qu'elles prennent l'air un peu. Ce qu'on peut faire, c'est regarder déjà aussi, avant d'aller faire tout ce qui va finir la vidéo, on va faire comme ça. On peut voir que normalement c'est en blanc hein, qu'il faut. Donc on peut mettre du colza déjà. On peut mettre, l'herbe, je vais pas en semer vu que j'ai des champs. On peut mettre de l'avoine, du barley, ça doit être de l'orge, winter barley, ça doit être de l'orge pour l'hiver. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, du triticale. Et on peut pas, donc voilà. Et les patates non plus. Hein, ça d'habitude. Mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 variétés qu'on peut commencer déjà à semer. Alors le colza, il ira sur des grands champs. J'en ai. Et puis le reste, on fera des petits champs pour la paille, tout ça. Parce que je vais garder ces grands champs pour justement les cultures qui rapportent. Et ça va être pas mal. Par contre, j'ai pas vu. Donc là, on peut semer ici. Ça se récolte au bout du sixième jour. Hein.
Par contre, là, je ne sais pas pourquoi il l'a mis là, parce que vu que c'est à 5 degrés, bon, il ne manque pas grand-chose, hein. On est à 1 degré près, mais c'est pas mal. Au niveau, on va regarder quand même les vaches ici, tout ce qu'elle a. Donc, il manque de l'aliment concentré. Ah, bah tiens, on peut aller en mettre un petit peu, par contre, de l'aliment concentré, parce qu'ils en ont plus. On a 75 de santé, donc il faudra en mettre. Propreté, bah, il faudra presque les nettoyer, mais je ne veux pas le faire tout de suite. On va ressauter dans le Fiat Agri une remorque. Normalement, il doit en avoir une en haut, juste à côté. On va voir si j'en ai un peu. On va faire ça tranquillou, nourrir un peu ces vaches. Les moutons, bah, je pourrais en prendre, mais il faudra que j'aille racheter du foin. Donc, ça, peut-être, on ira faire ça. J'avais laissé la remorque ici. Ici, ça doit fabriquer tranquillou les semences. Hop, ce qu'on peut faire, c'est aller voir combien déjà de semences il y a. Hop, on va aller voir ça. Hein, aujourd'hui, c'est un peu un épisode qu'on vérifie un peu de tout. Ouais, il n'y en a pas des tonnes. Hein, vous voyez que hop, si je regarde la tablette, vous voyez qu'il y en a 120. Ça fabrique pas vite, hein, mais bon. Si jamais on peut toujours, si jamais on achetait pour le début, le temps que ça fabrique, vous voyez qu'il me reste 4 bottes de foin, 2 de paille. Il y a, je crois, encore 4 d'ancillage, mais je vais garder pour la machine là. On va mettre du concentré. À la limite, on peut remettre, mais je ne veux pas aller chercher le télescope, j'en mettrai de mon côté. On verra tout ça. Ou prendre à la limite les moutons. Parce que vous savez que les autres fabriques, ben, il faut les acheter. Hein. Donc, si on doit acheter les fabriques, il faudra des sous. Donc, à la limite, prendre des moutons pour qu'il y ait plus, en plus la laine à vendre. Voilà, ça, il m'a bien fabriqué ici. Hein. À combien on est ici? Pour l'instant, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Je n'en sais pas. On est pas mal. Ah, il n'y a plus de foin. Donc il faudra que je remette du foin, ça on regardera dans l'épisode de vendredi prochain, où je le ferai de mon côté. On va aller déjà donner ça aux vaches, ce sera déjà pas mal, à la limite revenir mettre une deuxième remorque, où je le ferai de mon côté, m'occuper un peu de tout ça. Allez, ils ont faim, on s'occupera de ça. Ouais, les moutons, ce serait peut-être intéressant de les prendre. J'aime bien cette mélangeuse parce que comme ça on n'a pas besoin, ça nous évite d'acheter une mélangeuse et puis voilà quoi. Donc on est pas mal là, on peut regarder. Ah, il en faut encore, hein. Donc je vais aller remettre la remorque là-bas dessous. Là c'est pratique parce qu'on peut sortir direct ici. Ouais, de l'ensilage, vu qu'il y a silo, je ne sais même plus où il est ce silo. Il doit être par là-bas derrière. Ce silo ici c'est pour le compost et le silo il doit être juste derrière ça. Alors on va reprendre un chargement et on va aller finir un peu le champ là-bas de passer la herse. Ouais, il est juste en face le silo, mais bon, bah j'ai rien, je vais pas acheter des balles justement comme je l'ai dit jeudi pour mettre pour faire de l'ensilage, hein. Je préfère les acheter. De toute façon, d'acheter des balles pour avoir de l'ancien, autant acheter directement une balle d'ancien. Hop, on va la remplir comme ça sera prêt. Oui, c'est pas mal. On peut couper le moteur. On va laisser remplir ça tranquillement. J'irai l'ordonner. Et nous, on va sauter dans ce joli Deutz. Vous voyez que j'ai commencé ici. On va le mettre en route. On va se mettre en vue extérieure. Comme ça, vous verrez. Hein? Moi, j'adore ce. Ça me manquait. Ça, je voudrais bien qu'il revienne au niveau des. Au niveau du 19, ce serait pas mal. Vous voyez qu'il est pas mal grand, hein, mais bon, il en faut. Hein, ces champs d'herbe, si je fais de l'ancien justement en silo, il faudra faire du foin, il faudra faire de l'herbe pour les moutons. Donc automatiquement, bah, ça va prendre pas mal. pardon, excusez-moi. J'ai encore le 26, je crois qu'il y a de l'herbe. Et le 91. Donc j'ai déjà pas mal de champs d'herbe qui étaient depuis le début. De la partie. Moi, j'ai encore quelques champs à labourer. Ce qu'on peut faire, c'est vrai que je vous avais dit qu'on achètera ensemble le semoir.
Mais je me demande si on l'achèterait pas vendredi prochain ensemble, quand j'irai semer. Et comme ça, on pourra faire, ouais, on pourra faire ensemble du semis tranquillou, peut-être aller chercher des moutons, je sais pas encore, on verra. En tout cas, on va semer, donc on achètera ce champ, le champ, le semoir la prochaine fois, vendredi prochain. Je prends toujours plaisir sur Terre Valaisanne, bien sûr aussi. Je suis à côté à vous préparer la prochaine qui va remplacer Terre Valaisanne, mais qui sera peut-être sûrement fin mars, courant avril. Je teste justement la map, voir si ce serait bien. J'ai une autre que je dois tester aussi. Donc je regarde ça. Donc j'avance un petit peu, on verra pour voir s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de ci, s'il n'y a pas de ça, quoi. Voilà. C'est mieux avant que après. En tout cas, hop, on va partir là. C'est vrai qu'on ne voit pas des masses. Bon, on voit qu'il y a comme des restes de foin sur le champ. Donc ça se voit quand même où on a passé. Bah écoutez, on va pas faire plus long, les amis. On a déjà fait pas mal, ouais. On n'a pas fait des tonnes de choses ensemble, mais bon. Après, je veux pas faire des épisodes trop longs. Bon, ici, c'est là, vous voyez. On voit. N'hésitez pas à le pouce bleu. Moi, je vais vous donner rendez-vous lundi avec les infos un peu pendant l'épisode de Terre Valaisanne. J'en suis bien avancé. On regardera plus un peu du course play. Parce qu'on va devoir labourer un champ. Peut-être qu'il y aura les animaux qui arrivent dans le courant de la semaine prochaine sur Terre Valaisanne. Peut-être les moutons, on verra tout ça. Il faut que j'aille faire du foin. Et une nouveauté, je vous en dis pas plus, dès lundi, on va faire un peu de changement. Il faut que je le fasse, du reste. On va faire un petit peu de changement vers les chevaux. Je vous en dis pas plus, ça sera une surprise. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je répondrai aux commentaires si j'ai le temps pendant. Parce que je vois tous vos commentaires sur mon téléphone. Donc, j'essaierai de répondre, mais soyez patient à la réponse. Parce que, vu comme j'ai dit, j'étais pas là, je fête mes 50 ans. J'espère que je vais pas faire trop la fête, que je serai en forme lundi, quoi. Allez, moi je vous dis tout de bon encore une fois, merci encore et à bientôt. Bye bye.